Difficile de passer à côté sans les remarquer. À Champion, Bangomarkt produit et vend plus de 300 variétés de courges différentes. Karim Bangerter a repris l'entreprise familiale il y a une dizaine d'années. Les courges d'Halloween sont le produit phare de ces derniers jours. C'est pour le repas d'Halloween ce soir. D'accord, ok. Ici, elles représentent 10% de la production. C'est celle-là qui a été choisie, je pense, du fait qu'elle soit justement pas trop dure à découper, peut-être par sa forme. Alors précisément, je ne sais pas pourquoi c'est celle-ci. Après, gustativement, ce n'est pas l'une des meilleures. Il y en a des bonnes, des moins bonnes. Mais en tout cas, pour la découpe d'Halloween, ça va très bien. Au Nuss et Kürbishof à Dötzigen, la courge aussi est la star du moment. Après une année climatiquement mauvaise, cet été était meilleur malgré la sécheresse. Urs Schaller en cultive de plus en plus. En moyenne, on a quelque chose comme 12 à 13 000 plants qu'on met dans les champs chaque année. Ça représente entre 200 et 250 sortes différentes qu'on fait pousser chaque année. Et ces dernières années, la demande augmente de 10% pour la plupart des variétés. Depuis les années 90, la production de courges en Suisse a augmenté de manière exponentielle, passant de 230 tonnes en 1991 à plus de 7000 tonnes en 2016. Il y a le phénomène d'Halloween où les gens achètent justement plus ce genre de courges pour la découpe. Et puis sinon, c'est vrai qu'avec les courges, on peut faire quasiment tout ce qu'on veut. On peut la transformer de vraiment toutes les façons. En soupe, bien sûr, mais pourquoi pas en confiture. Et vous ce soir, est-ce que vous en mettrez une dans votre chaudron ?